que je viens de dire sur le fait que l'astrologie n'est pas responsable de ce qui se passe, il faut préciser. Mais ça a un impact sur la notion de prévision. On ne peut pas prévoir, je pense que même avec toutes les connaissances que nous pouvons avoir sur le plan de l'astrologie, telles que je les ai apportées, on ne pouvait pas prévoir que ça allait donner ce résultat-là. Cet résultat-là, il est fonction de la méconnaissance, de l'ignorance, de la surréaction d'un certain nombre de leaders. On a actuellement des leaders qui arrivent à ce genre de résultat. Le leader ukrainien, le leader russe, le leader français, le leader de l'Union européenne, etc. Tout ça crée une dynamique qui est imprévisible au niveau de l'astrologie cyclique, même si on sait qu'à un moment donné, il y aura des défis à relever, il y aura des changements de phase à gérer, mais on ne peut pas savoir que ça va prendre cette dimension-là, puisque dans le passé, il y a eu des configurations comparables qui n'ont pas donné ce résultat. En 1989, on n'a pas eu de guerre mondiale en perspective ou de guerre nucléaire en perspective parce que le pacte de Varsovie se disloquait, parce que 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, l'Union soviétique se disloquait. Ça n'a pas donné ce résultat. On avait apparemment des gens plus raisonnables, plus calmes. Aujourd'hui, on a affaire à des leaders excités qui prennent des mesures absolument exorbitantes, dans un sens comme dans l'autre, une sorte d'escalade, et ça donne ce résultat-là. Mais force est de constater qu'on ne peut pas astrologiquement le savoir à l'avance, sauf à intégrer comment savoir comment les gens vont réagir à telle et telle situation. Hein? Bon. C'est pour ça que les prévisions, on peut prévoir à un moment donné qu'il y aura une problématique d'une certaine catégorie, dans un certain sens, de l'unité vers la diversité, de la diversité vers l'unité, ça c'est certain, on peut le prévoir. Mais on ne peut pas prévoir comment ça sera vécu. On peut simplement aider, l'astrologue est un conseiller qui peut aider les dirigeants à gérer ce genre de situation au mieux. C'est tout ce qu'il peut faire.